De retour sur Mass Effect, on reprend notre super ben voilà pour on était en train de nettoyer Féroce. Ok, alors par contre, faut que je regarde commande, comment je fais pour lancer les grenades. Non. Pouf. Ok. Par défaut, par défaut. Ok. Raccourci, non. Qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on voit les commandes? Ah, c'est pénible. Je dégage. On va retourner là, essayer de voir si Ok, on va Il va reparler. être temps, je le sens. Peut-être qu'on peut encore libérer nos amis après tout. Je dois les aider. Tout ça, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un ennemi pareil? Ils ont pulvérisé nos défenses en quelques minutes. Okay. Merci encore. Ces données me seront très précieuses dès que je serai parti d'ici. Ces ruines sont interminables. Les snipers ont de quoi se planquer ici. Ok, bon ben on va... retourner par là, je sais pas. Boom. Il va encore ou pas là? Ah ouais, on va encore. Wow, wow, wow. Ok, bon, ça c'est fait. Ok. Bon, c'est quoi ce truc? Wow. C'est quoi ce truc?
Infection ou pas, ça ne peut pas être un humain. Interdiction de blesser les colons, même si le taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. Et comment on fait? Compris, commandant. On peut y aller. Oh. Mobile. Obligé de passer par là. Bon, ok. Ok, donc là, mini-sbise, le perte. Ok. Ok. Ah oh, bah là, j'ai plein de trucs là. Ok, donc ça on va garder. Oui, alors par contre, c'est hyper chiant. Parce que je sais pas comment on s'en sert. Ça, c'est cassé. Putain, fils, on s'en fout. Calibrage, on s'en fout. Commande. Bon bref, bon tant pis. Putain mais... Ça devient intéressant. D'accord. Là, je crois que j'ai. Je crois que c'est. Oh non, mais Kylan il est encore mort. Ah putain, d'accord. Cuit à point, comme je les aime. Ah d'accord, ouais, j'ai pas tout compris. Ce qui est chiant avec ce jeu, c'est que en fait, il explique rien quoi. C'est pénible. Vraiment pénible. Toujours par là. Ah mais tiens, tu viens d'avoir un par là. Ouais, on va devoir monter, je pense. Ou descendre, je sais pas. Est-ce que je dois aller? Spot target, ok. C'est-à-dire qu'il faut que je retourne de l'autre côté.
Pas le trou de balle par là. Ça se trouve, on va. Ok, super. C'est possible. Là tout à l'heure j'avais ouais, je sais pas. Ça j'ai loupé à. J'ai loupé une entrée sur le salon. Enfin, du coup, ouais. Bon, on a pris un coup de vieux le truc en fait. Ça, là. Pourquoi il y a un drapeau là? Qui l'a mis? Putain, mais intrigue, c'est là. Faut-il que je reprenne l'ascenseur ou pas? A priori non. Je sais rien. Mais c'est là, d'accord. C'est réparé. Merde. Ah mais eux c'est... Putain mais j'ai plus de grenades. Pas ce bordel les gars. Manifestement ils protègent de vos réalités. Nous devons déplacer l'un de ces conteneurs. Ah
Putain, mais pourquoi est-ce que j'ai plus de... plus de grenades? Putain, mais j'ai plus de... équipement. Non merde. Ok. Non attends. Quoi mon équipement là? Thunder 5 aussi. Qu'est-ce que tu me disais là sur... Ok. Putain, mais j'ai plus de rien, là, c'est vraiment... Zone nettoyée. Ouais, j'avais fait un peu le ménage, ouais. J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non! Ok. Allez. Plus, je crois qu'on a de la lumière, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Non.
tout a l'air ok. Il suffit de trouver cette... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. Intrus, chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Saren. Le Taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Saren. Quelque chose dont j'ai besoin. Saren cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le Taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terreau. Ok, toi. Non. Voilà. Ah merde. Ah tiens, c'est là. Ah, oh, il y en a d'autres là. Ouf. Alors, il devrait y en avoir un autre. Ah, tiens, il y en a un là. Allez, les gars. J'en suis sûr. Elle n'a pas l'air d'apprécier le traitement. C'est possible. Alors attends, il y a un truc là. Et on me traite de monstre. J'aime vraiment pas cet endroit. Ok. Bon, c'est très bien. Là j'ai rien à faire d'autre ici, donc on va avancer. Parce que par là il y a d'autres choses à faire. Probablement. Ah tiens, là il y en a un autre. Bon ok, lui il fait rien. Boum, il revomit en plus. Contact. Ça, ça, ça. Ah, tiens, oui. RAS, commandant.
tiens, alors là, une armurerie. Ça peut être cool. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? Fusil de précision, fusil de précision, fusil de précision. Ok les gars, let's go. Ah bah tiens, toi là, t'as... Oh. Oulala, il aime pas. Ennemi repéré. Ça. Là, là. Ça. Non, ah, tiens là. Ok, bon, ça. Hop là. Ah, viens là. Putain, elle est où la mec, hein. Ah, putain. Dégage toi. Je vais retourner. C'est violent là-bas. Allez les gars. Voilà. Super. Cette zone est pacifiée. Je suis d'accord. Attention. Les gars, allez les gars. Putain, les gars. Allez les gars. Ah mais je... Bah oui mais je suis con en plus. Premier secours, ouais, formation d'assaut, aptitude physique, ça je vais le... Ok, ah bah tiens je vais peut-être rajouter... Alors, attends, non, ça je vais rajouter. Augmenter, santé augmenter. Tac, puis après je ferai peut-être acheter motivé. Alors toi là, Kaidan. Tu vas faire ça. Ok, et puis toi Vrex. Toi tu vas continuer de... Voilà.
Je suis sur le coup, les gars. Ok, let's go. Oh putain. Putain mais... Voilà. Putain. Non mais oh. Allez. On les a eu pendant. Allez les gars. Pas fini hein. Non mais faut aller où? Putain, on n'y voit rien dans cette... Putain, on allait où cette conne là? Voilà. Ça devient intéressant. Ok. Okay. C'est dégagé. C'est pénible quand on voit rien en fait. Mais protégez-moi les gars là. Hein.
Voilà. Ah, elle a eu le temps d'en chier une autre. Ok. Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Comment vous vous êtes retrouvé à l'intérieur de cette chose? Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée? Benezia avait sous-estimé sa reine. Tout comme moi, d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. C'est typique des Asari, ça. Toujours à vous mêler des affaires des autres. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. Pourquoi a-t-il ordonné aux guettes de détruire le Taurien? Sa reine avait obtenu ce qu'il voulait. Laisser le Taurien en vie pouvait se révéler dangereux. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma? Qu'est-ce que sa reine veut en faire? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés et après leur mort, assimilés. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'ai besoin de l'énigma. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion, imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité !
Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à Saren. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Que s'est-il passé? Vous allez bien? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Il vaudrait mieux retourner au vaisseau. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Dites-moi plus sur le vaisseau de Saren. Sauverègne est indéfinissable. J'ignore comment il a été construit et d'où il vient. Mais je sais qu'il n'a été conçu par aucune des espèces connues. Les plus grands vaisseaux de l'Alliance et de la Citadelle font figure d'insectes à côté de lui. Ses armes sont dévastatrices et ses défenses impénétrables. Avec lui, sa reine ne craint rien ni personne. Et sa reine l'utilise pour manipuler ses serviteurs, c'est bien ça? Oui. Sauverègne dégage une étrange énergie. Le vaisseau vous attire de plus en plus et les arguments de sa reine deviennent plus convaincants. Presque irrésistible. Au bout d'un certain temps, sous l'influence de Sauverègne, vous vous égarez. Je ne trouve pas de meilleure analogie. On a chopé d'autres informations. Je voudrais en savoir plus sur Benetia. Benetia inspirait un grand respect à notre peuple. C'est une biotique d'une puissance inhabituelle, même pour une Asari. Elle était célèbre pour ses préceptes religieux et philosophiques. Benetia était toujours en quête de paix et d'harmonie. Elle a rejoint sa reine dans l'espoir de le détourner de ses instincts destructeurs. Et au lieu de ça, elle est devenue l'une de ses plus puissantes alliées. Comme je vous l'ai dit, la matriarche Benetia a sous-estimé sa reine. Ne commettez pas la même erreur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur sa reine ? Rien que vous ne sachiez déjà. Qu'il est puissant, charismatique et par-dessus tout dangereux. Pendant un temps, je l'ai suivi aveuglément, sans rien voir de sa vraie nature. Mais à présent, je sais qu'il mène la galaxie vers un âge de ténèbres et de souffrance. Vu que vous êtes libéré du Toria, vous comptez faire quoi? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi. Et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Mais pareil, hein. Vous avez réussi. Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féroce est redevenu une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Bah, de rien, ça fait plaisir. Voyons, tiens, Pilisbeth. Vous avez guéri la plupart des malades. Ça prendra du temps, mais ils s'en remettront. Ouais, j'en ai buté quelques-uns aussi. Soyons honnêtes. Ah, j'ai gagné encore. Paf. Payer moins cher des trucs. Charme. Ça. Ok, puis je vais reprendre quelques aptitudes physiques. Tac. Toi, Kaidan. Tu vas m'embêter. Décryptage comme ça. Ah,
En lévitation, allez, tac. Toi, toi, tu vas être un super saiyan, toi. Voilà. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Alright. Très bien. Dans les codex, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a 9 ici. Ça va y avoir un truc neuf. Ouais, c'est ça. Les bâtiments mis. Sovereign est le vaisseau amiral du spectre Renégat Saren. Ce cuirassé, dont la taille défie l'entendement, abrite un équipage Miguette Microgan. Son canon principal, long de 2 km, est sans aucun doute capable de pénétrer en un seul tir les barrières cinétiques de n'importe quel cuirassé. Nul ne sait comment Saren a mis la main sur ce vaisseau extraordinaire. Certains y voient l'œuvre des Geths, d'autres une relique protéenne. Toujours est-il que sa conception dépasse clairement les limites de toute technologie connue. L'attaque d'Eden Prime a démontré que Sovereign pouvait générer un champ de contre-gravité suffisant pour lui permettre d'atterrir sur une planète. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faut donc en déduire qu'il est équipé d'un noyau d'éléments zéro proportionnel à sa taille. Alright. Alors, au niveau du journal, bah du coup, ça c'est fait. Est-ce que j'ai des trucs là-dedans, là, Ferro, citadelle, relevé étrange. A priori, non. Appuyez le centre. Ah oui, ok. Bon. Ok. Bon, bah on va aller. Pourquoi il y a un truc là? Ah oui, ok. Bon, bah on va retourner au vaisseau. Hein. Ouais, par contre, c'est un peu. Ouais, bon, bref. Viens, toi. Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. J'ai honte de la souffrance que ces pauvres gens ont endurée. Vous avez autre chose à me dire sur le Taurien? Lorsqu'il m'a enveloppé, je me suis fondu en lui. Malgré cela, je ne l'ai jamais vraiment compris. Il était trop différent, trop ancien, impossible de connaître son âge exact. Il n'avait pas la même notion du temps que nous. Il pouvait rester 10 000 ans en hibernation, puis passer quelques siècles d'activité intense. C'était un esprit incroyable, absolument magnifique, qui transcendait toute classification. Maintenant, il a disparu. Vous n'allez quand même pas pleurer sur cette chose. Le Taurien était une forme de vie unique, sans équivalent dans tout l'univers connu. Rendez-vous compte, une entité intelligente vivant depuis plus de 50 000 ans. Je vous suis redevable de m'avoir libéré d'une vie de servitude. Mais je ne peux m'empêcher de déplorer la mort d'une créature aussi exceptionnelle. Ok. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benezia. Je l'ai suivie pendant près de 200 ans, et elle m'a tout enseigné. Le jour où Benezia a décidé de rejoindre Saren, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non, et seuls les volontaires l'ont accompagnée. Ceux qui estimaient son plan trop dangereux l'ont quitté. Je croyais en elle. J'étais sûre qu'elle pourrait détourner sa reine de sa folie. Mais en fin de compte, nous l'y avons rejoint. Au revoir, Shiona. Au revoir, commandant. Et bonne chance. Bisous, bisous. Ah. Putain, c'est vrai que j'en ai défoncé quelques-uns. Là, il y a Juliana, machin. Là, ceux qui étaient là, ben, je crois qu'ils sont dead. Hein. On va essayer de voir ça, mais je pense qu'ils sont. Ouais, je crois qu'ils sont un peu. J'ai quand même l'impression qu'ils sont plus là, eux. Ouais. Bon, désolé, les gars. Bon, allez. Bon, ben, c'est pas réservé au même. Ouais, Reynolds. Toujours là, lui. Je suis. Merci pour tous vos efforts. Pas de rien, ça me fait plaisir, honnêtement. C'est bien marré.
Rien. Rien. Toi. Elle est morte. Nous avons tout perdu et Greta est morte. Ah, c'est dommage. Pardonnez-moi. Il paraît que vous avez fait accuser. C'est un honneur de me battre à vos côtés. Super. Bon. Ouais, toi là, du coup, bah t'es attristé, ok, ouais. Tiens, toi là. Ah, j'ai enfin les idées claires, et plus peur de douiller. Et en plus, vous avez récupéré des accus. Du coup, on va pouvoir tout remettre en marche. Merci, commandant. Ah, rien, ça me fait plaisir aussi. Allez. On se casse de ce lieu pourri. En plus, il y a le soleil. Non, 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 pardon. Hop là. J'ai le soleil dans l'œil, ce qui fait que je n'y vois rien. Voilà, peut-être que je. Pas mal au volet. Non, ça m'embête parce que ce sont les derniers beaux jours. On va en profiter. Voilà, le petit vaisseau. Donc, grosse mission ça, hein. Féroce quand même, on aura passé du temps là-dedans. Allez, donc t'es à bord. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. C'est chiant ça. Décontamination en cours. C'est rigolo, mais au bout d'un moment... Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma? Il doit falloir un peu de temps pour que l'énigma fasse effet. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contemplez. Où est-ce qu'elle va garder ? C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot, qu'est-ce que vous avez vu? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles, quelque chose qui nous aurait échappé? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéens. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéens et le canal. Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Non. Pas la peine.
À vos ordres, commandant. Des connards. Ok. Allons ici. Ouais, t'es au garde à vous, toi. Hein. Oh, je te surveille, je t'allais. Ok, navigateur machin. Faire un petit tour. Ouais. Et la meuf. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Ah, je dois y aller. Ça, au revoir, vu, commandant. Et bisous. Ok. Toi, tu devais être en train de te reposer, là. Commandant ? Vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés. À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Le temps joue contre nous. Si une Asari peut vivre facilement 1000 ans, nous avons de la chance quand nous en atteignons 150. C'est vrai. D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race. Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous ? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Pourquoi moi ? Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce qui s'est produit sur Akuzé. Le fait que vous ayez survécu est la preuve d'une force remarquable. Pourquoi un tel intérêt pour moi ? Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Vous êtes certaine que c'est moi qui vous intéresse, ou ma vision des protéas ? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est mué en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Williams et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard ? Existe-t-il une attirance mutuelle, ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet ? Allez, c'est parti. Non, vous avez raison. Il y a bien quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais
Cela ne vous semble pas étrange? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. Sa reine veut notre mort à tous les deux, ça n'est pas rien. Ma foi, pour le romantisme, on repassera. À vous entendre, cela paraît tellement... dangereux. Vous serez en sécurité avec moi. Je ne cherche pas une protection. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de... ce genre de choses, de vous... Il me faut un peu de temps. Prenez tout votre temps, Lyra. Je serai là. Merci, Shepard. Parlons d'autre chose, voulez-vous? Ok. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Non, j'ai des nouveaux codex. Tiens, et ça. Ok. Bon allez, let's go. On va retourner. Essayer de visiter quelques planètes. Bim bam 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 bam. Hop là. Allez les gars. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur ? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Putain, casse les pieds là. C'est où la salle des transmissions déjà ? Là-bas ? Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine. Quel genre d'informations ? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. J'aurais aimé en être informé. Nous ne pouvons pas vous envoyer sur de fausses pistes aux quatre coins de la galaxie, commandant. Si nous vous contactons, c'est que nous avons de bonnes raisons de le faire. Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous. Et donc... de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ok. Virmir est un monde luxuriant situé sur la bordure de la travée de l'Attique. Ses vastes océans et la position de son orbite sur la frange intérieure du système ont donné naissance à une large bande tropicale sur son équateur. Seule l'instabilité politique de la région a freiné les efforts de colonisation. À plusieurs reprises, la citadelle a ouvert des négociations avec diverses factions criminelles et petites dictatures des systèmes Terminus pour régler le cas de Virmir. Toutes ont échoué,
à cause des luttes de pouvoir intestines du camp opposé. Le Conseil a donc déclaré la colonisation de Virmir impossible sans une certaine stabilité politique dans la région. Il semble également improbable que les diverses factions des... Virmir est un monde luxuriant situé sur la bordure de la travée de l'Attique. Ses vastes océans et la position de son orbite sur la frange intérieure du système ont donné naissance à une large bande tropicale sur son équateur. Seule l'instabilité politique de la région a freiné les efforts de colonisation. À plusieurs reprises, la citadelle a ouvert des négociations avec diverses factions criminelles et petites dictatures des systèmes Terminus pour régler le cas de Virmir. Toutes ont échoué à cause des luttes de pouvoir intestines du camp opposé. Le Conseil a donc déclaré la colonisation de Virmir impossible sans une certaine stabilité politique dans la région. Il semble également improbable que les diverses factions des systèmes Terminus s'accordent entre elles sur la question de Virmir. La plupart n'ont pas les ressources nécessaires pour soutenir la création d'une colonie sur un monde vierge et préfèrent consacrer leurs efforts à voler leurs voisins plutôt que d'investir pour se développer. Ok. Ouais, bon, ok. Super. Oups, là, c'est ici. Et nous sommes sur Féros, donc ça, c'est fait. Ouf. J'ai un message de l'état-major d'Arcturus. Je vous le passe. Normandie, ici l'amiral Hackett. On nous signale une augmentation significative de l'activité Geth dans la bordure skylienne. Nos drones de surveillance ont identifié des avant-postes Geth sur 4 planètes du secteur Armstrong. Il nous faut une équipe pour les neutraliser. On connaît la nature exacte de leur activité ? Difficile à dire. Peut-être qu'ils cherchent simplement à rassembler des informations sur nous. Mais il est également possible qu'ils soient en train d'établir un relais pour lancer une attaque sur les colonies humaines. Je m'en occupe, amiral. Trouver Saren reste une priorité absolue, mais vous avez l'expérience du combat contre les Geth, il semble logique que ce soit vous qui vous en occupiez. Nous vous transmettons immédiatement les coordonnées de tous les avant-postes Geth connus dans le secteur Armstrong. Amiral Hackett, terminé. Ok. Il y a rien. Ok. Boum. Allez, on va aller là. Vas-y, les deux. Ouh là là, c'est... Ouais. Étoile rouge, une géante... Même, ouais, j'en sais rien. Tac. Ok, machin, tout ça... Commando, ah oui, il faut qu'on rattrape.
Alors, toi... Attends, on va quand même te faire ça... Lévitation. Ok, singularité... Paf. Quoi que de déchirure, ça aurait été... Ok, bon. On va voir. Et toi, là? Ah, je sais plus ce que je t'avais mis comme arme, toi. Bon. Attends, toi, je t'avais mis... Toi, en tactique, si je me souviens bien. Un truc comme ça. Hey. Lui est mieux. Tac. Oh, même celui-là en fait. Où celui-là? Striker 5. Tac. C'est un petit peu meilleur. Enfin. Allez. Attends, Liara, du coup. Place 1. Ouais. Ok. Ok. Bah. Allons du canon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors attends, Shepard. Ouais, non, là, je peux pas faire mieux. Là, je peux... en fait, je m'en fous. Bon, le pistolet, je peux le prendre quand même. Là, je peux rajouter des incendiaires et puis le canon. Allez, où? Et toi là, avec Garrus, donc Garrus, fusil de précision. Paf. Armure tactique. Ah. Voilà. Ouais, puis avec un peu de bol dans son équipement.
que je peux mettre du mieux. Ouais, bon, pouf. Bon, on va rester comme ça. On va sauvegarder aussi, ça serait pas mal. Et puis, on va regarder ce qu'il y a sur la carte. Hop là. Là, il y a un avant-poste. Là, il y a une anomalie. On va aller voir l'anomalie. Oh. Oups, pardon. C'est pas du tout ce que je veux faire. C'est tout ça que je veux faire. Là j'ai augmenté, ouais, ok, ouais. Ok, bon bah écoute, on va retourner. Allez, on va faire... voilà, on va aller voir la petite singularité. Ah. Ok. Oh, attends. Et là, si je vais par là, a priori, il y en a d'autres. Ah merde, ah oui, ok. Je vais par là, il y en a d'autres, parce qu'il y aurait eu. Ah. Qu'est-ce donc? Ok. Bon, bah on va aller là. On va aller voir ces débris. Au moment qu'on est là, on va. Ah. Coucou. On va aller s'occuper des guettes. Ok. Oh non. Ok.
Bon, on va passer par là alors. Allez, youpi. Ouais, j'aurais dû faire en sorte qu'on ait la possibilité de... de se téléporter sur la carte parce que c'est un peu long en fait, c'est comme ça. Pas dire que je suis là. Ok, cool. Allez, reste là. Ok. Encore du pognon. Alors. Wow, 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 wow. Ah oui, ok. Wow. Ah ah, ça se brouille. Oh tiens. Boum, t'es mort.
trois avant-postes. Ce n'était que la première étape d'une longue mission. Oh tiens, j'ai gagné des trucs. Ok. 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 Ça là, c'est le premier. Ah lui il est dead. Ok. Ensuite. A priori il y en a un par là. Wow 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 wow. Ok les gars. J'aurais pu produire des cendres en fait. Je sais pas. Non. Oh merde, c'est tout ça que je vais faire. Oh shit. Ok. Shipboard. Formation, non. Aptitude physique. Bouffe. Toi, Lyra. Toi, Garus. Ok. Alors attends. Est-ce que. Donc là, pouf. Ok. Ouais, donc là, c'est bon. Je fais cette carte. On peut retourner. Au bord du Normandie. Let's go. Voilà.
vais retourner voir parce que bon, faut pas non plus battre le fer tant qu'il est chaud. Mais bon, faut s'amuser quoi. Let's go. Ils ont partagé des super trucs. Allez, coucou. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler? Oh merde. Bon. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Ok, bon, ça va être entre certaines missions, j'imagine. Ok. Aller sur notre planète. Non, c'est pas celle-là du coup. C'est celle-là. Ok. On va y aller avec Lyra. Ah oui. Lyra. Italie, allez, let's go, yes. A priori, unité et énorme de système. Ah oui, donc oui, toi j'ai quelques points. Mettre alors toi t'as un fusil à pompe par mur de base. Ouais. Électronique. Hop. Ouais, le secours, pourquoi pas. Ok. Donc puis on va surtout t'équiper un peu. Donc toi là en fusil à pompe. Ouais, ok, t'as déjà un truc de ouf. Tu as déjà un très très bon fusil à pompe. Ah. Ouais, des fois il y a mieux. Hein. Katana fait énormément de dégâts. Ouais, taux de précision, c'est quand même mieux, quoi. Allez, vas-y. Paf. 97. Truc de ouf, hein. Alors là... Ouais, oh, machin, ça, ça faut que je le regarde, là. Attends, là, quand même. Ouais, bon, allez. Alors, par contre, là, armure légère. Ah, ouais! Ouais, let's go, hein. Attends, on va peut-être te mettre un petit mode. Vas-y, une petite interface médicale. Let's go! Pardon. Toi, est-ce que là, on a trouvé mieux assassin humain? Dueliste. Ah, le dueliste pas mal quand même. Hein. Allez, vas-y. Tac. Bon, l'explorer est quand même bien.
Ok, bon, on n'est pas tout mal. Là, on est sur un monde assez volcanique a priori. Et on a 2-3 trucs à faire, des anomalies, un avant-poste. En fait, ça serait sympa, mais les montagnes sont trop chiantes à escalader avec le truc. Ouais. Enfin bon, il y a quelques défauts au jeu. Voilà, on va s'arrêter là. Plus.